Salut! Il y a des châteaux qui donnent envie, plus que d'autres, de parler Moyen-Âge et Histoire de France. Le château de Jumilhac-le-Grand fait partie de cela. Regardez-moi ce bijou! Alors, la genèse de ce château se situe à l'époque gallo-romaine. Et vous allez voir que la vie de ce château n'a pas été un long fleuve tranquille, oh que non. Nous sommes en Dordogne, sur les bords de l'Isle, un cours d'eau qui coule à quelques pas d'ici. Alors, si vous le voulez bien, remontons le temps. À l'époque gallo-romaine, cette terre appartient à un certain Gemillus. C'est une terre agricole. Une terre agricole plutôt paisible. Mais les choses vont s'accélérer au 4e et 5e siècle à la sortie de l'Antiquité. Vers 472, les écrits historiques parlent d'un site, fortifié du nom de Gemilliacum. Ce site fortifié intéresse fortement les Visigoths qui vont sans problème s'en emparer. Alors pour mémoire, l'empire Visigoth va du sud de l'Espagne jusqu'à Orléans, un vaste empire. Grâce à Clovis Ier, roi des Francs, les Visigoths vont être repoussés au-delà des Pyrénées. L'armée des Francs érige alors une place forte en lieu et place de ce site fortifié. 200 ans plus tard, les Visigoths qui occupent l'Espagne actuelle sont écrasés par les Sarrasins qui remontent jusqu'à Poitiers et qui seront stoppés par Charles Martel en 732. Bon, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la refaire. Mais quoi qu'il en soit, les musulmans occupent et pillent la place fortifiée de Jumilhac. 100 ans plus tard, en 846, c'est au tour des Vikings de s'emparer de cette place forte. Venus de Neustrie, l'équivalent aujourd'hui de l'Ille-et-Vilaine, de la Sarthe et de la Normandie, les Vikings n'y vont pas par quatre chemins. Ils détruisent la place forte. 3 siècles se passent. Nous sommes maintenant en 1152, la période qui nous intéresse le plus, bien évidemment. C'est à cette époque d'ailleurs que la tour carrée que vous voyez derrière moi est édifiée. N'oublions pas que nous sommes à la frontière entre le Limousin, plutôt roi de France, et du duché d'Aquitaine, de Guyenne, plutôt roi d'Angleterre. Philippe Auguste convoite cette place forte. Mais ce sera Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, qui s'en saisira le premier. Laissé en ruine par Richard en 1186, après la prise du château de Hautefort au début du XIIIe siècle, la place forte sera reconstruite, mais attaquée par Philippe Auguste. Quoi qu'il en soit, et malgré toute cette turpitude, le château, qui appartient à la famille Tessière, s'agrandit. À la tour carrée est adossé un premier corps de logis. Détruit en 1275, ça devient vraiment une habitude, le château passe aux mains de la famille Bruchard, qui le restaure et ajoute les 2 corps de logis du centre. Mais voilà, la guerre de 100 ans éclate. Édouard de Woodstock, dit le prince noir, s'empare du château. Après 10 ans d'occupation, c'est au tour de Bertrand Duquesclin, connétable de France et de Castille, de s'emparer du château et de chasser les Anglois. La famille Bruchard en profite pour ajouter le corps de logis de droite. Tenaces et courageux, les Bruchard. La bataille de Castillon, le 17 juillet 1453, entre les armées d'Henri VI, roi d'Angleterre, et de Charles VII, roi de France, met fin à 100 ans de guerre, à la guerre de 100 ans. Pas trop tôt quand même. Une bataille largement remportée par les Français, qui comptent à peu près 100 de morts dans leur rang, contre 7000 côté anglois. Il faut dire que l'armée française a utilisé massivement les canons et autres arquebuses. 300 canons, pour être exact. Ça m'a épuisé toute cette violence, moi. C'est enfin la paix au château. Enfin, plutôt l'abandon. Mais ce château est verni, malgré tout. Son sauveur, c'est un certain Antoine Chapelle, riche maître de forge, qui épouse Marguerite de Vars, héritière d'une partie de Jumilhac. Il achètera ensuite, en 1581, le reste du domaine. Et pendant 20 ans, Antoine Chapelle va s'évertuer à restaurer le château. On lui doit notamment ces magnifiques toitures qui caractérisent le château de Jumilhac. Ces toitures qui ne racontent pas une, mais 2 histoires. Mais avant de vous en dire plus, je tiens tout particulièrement à remercier pour sa gentillesse Henri Dupin de la Tour Jumilhac, 11e marquis du nom, l'actuel propriétaire qui m'a permis de tourner ces images et de réaliser cette vidéo au sein même du château. Ici, on va de surprise en surprise. L'alchimie et la quête de la pierre philosophale sont omniprésentes. Antoine Chapelle était un seigneur, mais aussi un alchimiste. Nous sommes au XVIe siècle et l'alchimie a le vent en poupe. Sur les toitures figurent de nombreux symboles. Des symboles cachés que seuls les initiés peuvent lire.
ou ceux qui reçoivent le guide à l'entrée lors de la visite. Je ne suis pas spécialiste de l'alchimie, alors si quelques-uns d'entre vous pouvaient éclairer les autres, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Trois éléments y sont représentés. Le sel des alchimistes, l'élément féminin, le mercure, et l'élément masculin, le soufre, le sulfure. La chimie se cache même dans l'architecture de la toiture, avec l'alternance des sept cônes et pyramides, évoquant les sept opérations indispensables à l'obtention de la pierre philosophale. La pierre philosophale qui donne accès à la lumière éternelle, comme la vie éternelle, ou encore la transmutation des métaux, changer le plomb en or. Enfin, ces toitures féeriques cachent d'autres symboles, celui de la justice du roi de France, du livre des lois et des droits et devoirs des seigneurs au XVIe siècle. Donc tout ceci rend ce château unique en France, voire même en Europe. En tous les cas, moi je ne connais pas d'équivalent. Alors ici, nous entrons dans le vieux château, le château primaire, pourrait-on dire. Alors le corps de logis central est constitué d'un escalier en colimaçon qui nous permet de monter jusqu'au cinquième niveau. Alors nous n'irons pas. J'aurais bien aimé vous montrer les combles du château, mais voilà, sans être accompagné, ce n'est pas possible. Et malheureusement, aujourd'hui, jour de ma visite, il n'y a personne pour m'accompagner, donc nous ne pourrons pas y aller. Mais par contre, si vous venez, vous prendrez un guide qui vous emmènera, lui, jusqu'au comble. Quelle chance! Alors on entre maintenant dans la chambre de la fileuse, afin que je puisse vous raconter sa légende. Donc la chambre de la fileuse, comme on l'appelle aujourd'hui, était à l'origine la chapelle seigneuriale. Mais en la restaurant, on a découvert sous le crépi, sous le plâtre, des peintures un peu bizarres pour une chapelle. C'est dans cette pièce qu'Antoine II de Jumillac, un seigneur de Jumillac, a enfermé sa femme, raconte la légende, pendant 30 ans, parce qu'il n'avait aucune confiance en elle. Par le Judas de la porte, on a porté la nourriture à cette pauvre femme, enfermée ici dans cette chambre, qui n'avait que comme occupation le filage, d'où le nom la chambre de la fileuse. Alors ce que vous voyez sur ces images, c'est une représentation de la fileuse, de Louise, et cette représentation a été entièrement réalisée, tenez-vous bien, en papier. On attribue les fresques qui sont sur les murs de cette chambre à Louise elle-même. Elle les aurait peints et également elle aurait peint son autoportrait sur la porte, le portrait que vous voyez juste derrière moi. Elle l'aurait peint sur l'intérieur de sa porte. Alors Louise d'Hautefort, mariée en 1610 à Antoine II de Jumillac, avait tout de même un prétendant
Oui, il fallait bien s'occuper quand même. Et ce prétendant se faisait passer ou était, en tous les cas, un berger qui venait régulièrement au château. Donc les deux amants communiquaient via des messages, puisqu'elle, elle était enfermée, donc elle ne pouvait pas sortir, et lui ne pouvait pas entrer dans le château, monter les escaliers, frapper à la porte et lui dire « Bonjour, ma Dulcinée ». Ça, c'était pas possible. Donc, en fait, dans des écheveaux de laine, elle passait des messages qu'elle glissait le long de la muraille, jusqu'à son amant qui était de l'autre côté. Et donc Antoine a eu connaissance de cette idylle entre sa femme et ce berger. Bien évidemment, ça s'est fini en duel. Antoine de Jumillac, aguerri, bien évidemment, a terrassé, entre guillemets, ce pauvre berger, qui s'en est sorti, hein. Il n'est pas mort, mais il a dû quitter les terres, et il s'est fait moine, loin de sa belle, au grand Saint-Bernard. Antoine II de Jumillac meurt avant sa femme, elle recouvre ainsi la liberté, et se serait même remarié. Ce château est immense, je ne vais pas tout vous dévoiler, le but du jeu c'est que vous veniez ici le voir en chair et en os en quelque sorte. Il y a tellement de salles à voir, il y a tellement d'époques que, enfin voilà, il ne suffirait pas d'une seule vidéo pour tout vous raconter, ou alors ça serait très résumé et puis ça ne vous vaudrait pas le coup, on s'ennuierait à un moment donné. Donc voilà, encore une fois, venez visiter ce château, venez aller visiter les châteaux. C'est notre patrimoine, c'est notre Far West à nous, c'est le début de notre grande histoire. Petit exemple, s'il y en avait besoin pour prouver qu'un château, ça vit toujours, ça vit encore, et celui-ci encore mieux, eh bien ici, c'est jouer quelques scènes du Pacte des Loups, un film co-écrit, et réalisé par Christophe Gans en 2001. C'est la magie des châteaux, et comme il y a de la magie, il suffit de claquer des doigts pour se retrouver ailleurs. On finit cette vidéo dans le magnifique jardin à la française du château, car il y a ça aussi à voir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Merci et à une prochaine découverte.